Salut les gars, c'est Darks. Donc, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait une dizaine de jours que je n'avais pas fait de vidéo à cause de, bah, tout simplement, c'est que je n'avais pas de jeu sous la main pour vous proposer du contenu, on va dire, assez correct, plutôt que vous envoyer n'importe quoi pour combler le vide. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match. En attendant le mois du courant mars, mon let's play sur Max The Curse of Brotherhood sur Xbox One, que je compte me prendre dans les jours prochains là. En attendant, comme je le disais, on se retrouve sur là c'est FIFA 13, hein, donc sur Xbox 360, on est sur FIFA 13 pour le match France-Pays-Bas, match qui aura lieu dans la réalité mercredi 5 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars. Donc, nous sommes à l'écran du menu. Et pour vraiment me la jouer vraiment neutre, totalement neutre, je vais faire un petit tirage au sort. Enfin, pas un tirage au sort, tirer à pile ou face avec une petite pièce pour savoir si je vais prendre, si je vais jouer la France ou les Pays-Bas. Sachant que ça fait un bon moment que je n'ai pas touché à un FIFA, un jeu de foot tout simplement. Jusqu'à présent, j'étais très Battlefield 4. Je vous expliquerai tout à l'heure dans le courant du match. Donc, je vais essayer de me procurer une petite pièce. Le porte-monnaie. On fait ça tranquillement, hein, on a le temps. J'ai la pièce en main. Donc, pile, je prends la France, oui. Et face, je prendrai les Pays-Bas. Allez, c'est parti. Hop. Eh ben, c'est tombé sur face. Donc, je vais me taper les Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas. Allez, c'est parti. Donc, Pays-Bas. On va jouer la France à domicile. Donc, je vais retourner au début pour choisir. Voilà, le choix de l'équipe. Donc, je prends l'équipe à l'extérieur. On va commencer par refaire de nouveau les sélections, les réglages. Hop, je m'assois maintenant. Sélection nationale. On va choper les Pays-Bas, si j'arrive à les trouver. Ils sont là. Hop. On va choper la France. J'ai déjà passé les sélections. Impeccable. Voilà. La France. Voilà. On y est. France, Pays-Bas. Donc, honnêtement, entre nous, les Pays-Bas sont favoris. Je vous le dis tout de suite, selon moi, pour ce match, les Pays-Bas sont un peu plus favoris que la France. Hein. Les Français, c'est pas que je ne crois pas en eux, mais bon, voilà. Hein. Vous savez ce qu'il en est. Oh, donc, au niveau des maillots, on va en rester là, hein. Tout en bleu, quoique, on va regarder un peu. Ouais, il n'y a pas vraiment pas le choix. Hein. On peut même pas choisir les bas. Ouais, étonnant. Bon, alors jouer match, gestion d'équipe. Ok, je sais qu'il y a plein de nouveaux qui vont débarquer mercredi pour ce nouveau match. Bon, là je vais pas toucher, hein. Donc je laisse. Hein. Je vais pas toucher l'équipe des Pays-Bas. Je sais vraiment pas ce qu'il en est chez eux. Paramètres de jeu, 8 minutes, ça me paraît correct. On joue en international. Arbitre. Qu'est-ce qu'on va mettre quoi en arbitre? Allez hop, San Milano, on va dire San Italien. On va jouer, est-ce qu'il n'y a pas le Stade de France? On va laisser le Parc des Princes, tant pis. Oh, on est au printemps, quasiment. On va faire à 21h, et c'est impeccable. Le temps couvert un peu pluvieux. C'est parti. On est bon. On y va. C'est parti, les gars. Donc, oui. Là, jusqu'à présent, j'étais très Xbox One sur Battlefield 4, et comme par hasard, je ne peux pas vous faire de vidéo sur Battlefield 4, sur la Xbox One, pour la simple et bonne raison qu'il me manque un câble pour pouvoir capturer les vidéos avec mon AVerMedia. Vu que mon AVerMedia ne prend pas le HDMI en compte, il faut que je me procure un petit câble à 5 euros, et encore que je ne suis pas sûr que cela fonctionne. Donc, je reçois mon câble normalement dans les jours prochains, là. J'espère que ça fonctionnera. On verra. Toujours un truc qui fonctionne pas. Que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça.
Enfin, c'est pour ça que pour l'instant, au niveau des vidéos, j'ai pas grand chose. J'en suis désolé. C'est comme ça. Donc, les équipes font leur entrée. Donc, faut qu'il y ait qui. Ouais. Hugo Lloris, toujours autant dépressif. Ah là là. Donc, ouais, je pense. Honnêtement, pour le vrai match, je vois une petite victoire des Pays-Bas 1-0. C'est mon pronostic. Je vais essayer de bien jouer, sachant que la dernière fois, lors de mon match, c'était quoi Bayer Leverkusen PSG, ça avait été une catastrophe au niveau de mon pronostic. Je crois que j'avais perdu avec le PSG 2-0, si je me souviens bien, lors de mon match. Alors dans la réalité, il y a eu 4-0. Merveilleux. Enfin bon. Je baisse un peu le son de la télé. Voilà, pas que ça s'entende trop derrière. Donc là, je suis retourné sur la 360 pour faire ce petit match. Il y a encore le match retour de PSG Bayer Leverkusen à faire courant mars, que je vous ferai également. Et puis voilà, voilà, voilà. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va impeccable. Malgré le temps qu'il fait en ce moment, affreux. C'est comme ça. On est bientôt au printemps, tant mieux. Ouais. Pays-Bas, titulaires. Je ne sais pas quels sont les titulaires dans la réalité. Hein, on va pas se préoccuper de ça. Excusez-moi. Allez, on rentre dans le match. J'espère ne pas trop en baver. Ne pas trop être ridicule. Ça fait un moment que j'ai pas joué à un FIFA. Alors les commentaires, je crois que c'est du hollandais, il me semble. Hein. Je ne sais pas quelle est la langue. Il me semble que c'est du hollandais. Ah ouais, je m'en chie. Chop, 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 chop. Non, oh là là, j'attaque à faire des conneries. Donc là, moi, avec les Pays-Bas, je joue le match nul. Le 0-0. Hop. Hop. Ouh. Allez. Ah, mince. Allez, c'est bon. Premier tir cadré de ma part. Oh, quelle frappe de merde, Robin. Robin. Motive-toi, mon gars. Hey. Je vais essayer de prendre la balle, de mettre le pied sur la balle vite fait. Parce que sinon, si je les laisse jouer, je suis très mal. Et mince, et mince, il a trouvé. Ça a failli, ça a failli. Ribéry. Faut pas qu'il joue. Oh là 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 là. Deux alertes déjà, deux alertes. Ribéry ontvangt de bal aan de buitenkant. Uitstekend. En vitesse, il me bouffe. Ouais, tant pis. Corner. En vitesse, je suis dévoré. Bon, j'espère que pour la France, ça se déroulera comme ça. Mais les Pays-Bas, c'est un sacré morceau. Hein. Ils font jamais de bien de grandes compétitions lors des phases finales. Hein. J'entends Coupe du Monde, Euro. C'est jamais bien. Ils font d'excellentes phases de qualification. C'est les champions des phases de qualification. Ils perdent jamais leur match quasiment. Mais au niveau de leur phase finale, dès que les matchs commencent à se compliquer face aux grandes équipes, il n'y a plus personne. Ils coulent en fait. Cool. C'est étrange, hein, c'est bizarre cette équipe en fait. C'est une grande équipe mais qui a du mal à assumer son rang en fait. Les Pays-Bas. Oh là là, Benzema, encore et toujours.
Oh mince, 16e minute, je me suis déjà pris un. En vitesse, je me suis fait bouffer. Hein. J'ai pas pu. Je voulais pas laisser Benzema tout seul, mais c'est ce que j'ai fait quand même. Benzema en très grande forme en ce moment avec le Real. Espérons que ça continue pour la sélection. Allez. Putain, je peux pas encore perdre 2-0. Matthijssen. De Jong. Faut que je fasse circuler la balle. Je n'ai pas le choix. Oh, je suis pas loin. Je suis en train de retrouver. Oh, non. Contre. Voilà, c'est ça. C'est les contres. Je vais me faire bouffer sur les contres. Oh là 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 là. Oh là là, putain, vitesse, mais les contres. Oh, c'est pas grave. Allez. Bien, mon petit. Hein, c'est qu'il n'y a plus personne aussi. Oh là 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 là. Et allez. Vite. Allez, Matthijssen. Oh putain, mince! Excusez-moi des gros mots, mais je suis dans mon match. Je suis dans mon match réellement. Fantastique! Chaud. Faut que j'en mette un. Il me tricote, mais je suis tricoté là. Oh là 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 là, le kick! Que voulez-vous qu'il fasse? 2-0. Ouais, si tu veux. 2-0 au bout de quoi? J'en suis à 30 minutes dans le jeu. Merveilleux. 25 minutes, peut-être pas. Putain, ils arrêtent pas de me gauler la balle. Oh, c'est moi qui fais des conneries aussi. Et nu kunnen ze counteren. En de counter zag er veel overtuigd. Maar de tegenstander had het goed doorzien. Ah ouais, putain, faut que j'écarte, Robin heeft hem. Ribéry. Valbuena. Allez. Matthijssen. Excusez-moi, si je ne parle pas. J'essaie d'éviter d'en prendre un troisième. Ce qui risque de m'être très difficile à faire. Putain, il a touché, il m'a dévié. Voilà, c'est là. À partir d'ici, je me fais manger à chaque fois. Ah ouais. La défense est lente, la défense française est très lente. Oh non, putain, le gardien c'est une vraie passoire aussi, étant. Oh. 2-0, comme d'hab. Allez, je balance. Hein. Je ne prends pas de risque, tant pis si je la perds. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Ah, pourtant ils ont des bons joueurs les Pays-Bas. Putain. Je pense à Robben. Van Persie. Ouais, j'arrive pas à leur coller la balle. Hein. Est-ce que je vais réussir à mettre un but dans mes matchs? C'est la question. Hop. Je vais temporiser. Sinon. Oh là 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 là. Putain, ouais, mais. Putain, en plus, je suis à l'extérieur. C'est vraiment la merde. Il va leur mettre
Il va la remettre, il va la remettre, il va la remettre. Mais chope. Putain, chope là. Oh non, là je suis mal. Là c'est moi. Là c'est moi. C'est moi, c'est moi qui fais de la merde. Je me complique la tâche en fait. Oh, tu vas la lâcher ta balle là, une villa, on dirait que c'est Zidane. Loopt tegen die verdediger op. Speelt hem terug. Mooi gedaan. De Jong. Van de Vaart. Allez, allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Il n'y en a pas un qui monte. Mooi. Wat gaat hij doen? Speelt. Flutio. 42. 42 minutes. Déjà la fin de la première mi-temps et j'ai déjà deux buts dans l'œil dans le casque. C'est impeccable. C'est impeccable. C'est merveilleux. Putain, elle sort jamais avec eux la balle. Oui. Oui. Non, je suis pas en jeu. Oui. Huntelaar. Ouf, je sauve l'honneur et je relance mon match par la même occasion. Merveilleux. Petite erreur défensive française. Et si je le loupais là, oulala, on lui passe vraiment sous bras. 2-1. 2-1, c'est tout bon. C'est du tout bon, les gars. Allez, non, c'est le truc, c'est éviter d'en prendre un troisième. Pour éviter de les relancer. Voilà, comme ça. Nu moeten ze counteren. Dat was een fraaie counter die uiteindelijk werd afgeslagen. De eerste helft zit erop en de stand is 2-1. Mi-temps les gars. Mi-temps et on est pas trop mal. J'ai réussi à réduire le score. Bon, Ribéry, Benzema. Je suis content, j'ai mis un but, c'est au moins ça. On est combien au niveau du vrai temps? On en est 12 minutes, 17. Attendez, je vois pas. 17. Malgré le fait que j'ai mes lunettes, je n'y vois rien. Allez, on va regarder. Les statistiques. Alors, 2-1, tir 7, 6, équilibré. Tir cadré 5-5. Possession. Sas logique, sans trop, sans être trop excessif. Corner 3-2. Ouais, ça c'est en fait les deux équipes se valent. Hein. On va regarder au niveau des changements, gestion d'équipe, effectif. Antela, Robben, Schneider en capitaine, Affelay, Van Persie, mais qu'est-ce que tu fais, Van Persie, en remplaçant mon petit Van Persie, Udon. Bon, je le change maintenant, hein. Allez, on fait un changement. Et on reprend le match, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Voilà, Van Persie, en buteur. Van Tolar, je te remercie pour ton but, mais tu ne vaux pas Van Persie. Allez, c'est reparti. Hop. Donc, au niveau des... je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu le tirage au sort de l'Euro 2016, dans la réalité, hein, j'entends. Bon, la France est qualifiée d'office en tant que pays organisateur, mais a quand même été reversée dans un groupe pour pouvoir faire des matchs amicaux au sein d'un groupe. Donc elle est tombée avec le Portugal, l'Arménie, le Danemark, si ma mémoire est bonne, et la Géorgie, je ne me rappelle plus ce que c'est l'autre. Je ne me rappelle plus la dernière équipe. Ce que c'est. Bon, ça fait c'est bizarre, mais bon, l'Euro, ça va être un gros Euro 2016, j'entends. Tout simplement, parce que ça sera un Euro à 24 équipes, les gars. Et oui, 24 équipes. Hein. Après, c'est fini les 16 équipes. Voilà, excusez-moi. Et donc, oui, la France est... Dans ce groupe-là, même si elle aurait été, ça aurait été vraiment un groupe éliminatoire pour sa part à elle. Je pense qu'elle s'en serait sortie aussi. Hein.
Schneider heeft de bal. Het was een wat paniekerige actie, maar het gevaar is in ieder geval even voorbij. Voilà, les Pays-Bas, c'est ça. Hein. Les Pays-Bas, ça va être ça. Hein. Excusez-moi, je me coupe, mais je suis tellement concentré que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Là, savoir bien jouer et vous parler de l'actualité. Hop, que je te fous. Hop. Donc, oui. Prochaine étape, la Coupe du Monde. Là aussi, d'ailleurs, pour les matchs de la Coupe du Monde. Je vous ferai tous les matchs avec FIFA, enfin le jeu de la Coupe du Monde 2014 que je compte me prendre sur la One. Alors, le jeu sortira au mois d'avril. Donc je me prendrai et on fera les matchs en avant-première avant les vrais matchs, tout simplement. Donc ça sera le premier match. Je ne me rappelle pas ce que c'est dans l'ordre. France-Équateur. Je ne me rappelle pas. Désolé, je ne me rappelle pas ce que ce sera. Dans quel ordre se dérouleront les matchs de phase de groupe de la France au Brésil. On verra. Putain, j'ai du mal. Allez, on va essayer de planter, égaliser. Ça serait tip top. Allez, allez. Hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Oh, ja, trouw, ja, trouw. Top is er. Ja, dit gaat goed. Oh la la la, Benzema, putain. Oh la la, c'est des buts chiants, ça. T'as pas regardé par où il l'a fait passer, ce ballon. Regardez. Regardez par où il l'a fait passer. Oh, hein. 3-1, ça y est, c'est à refaire. C'est pareil. Percy. Monte, allez! Eh ouais! Ça faut être alerte, mon gars! Hij kan de bal rechts kwijt. Voorzet. Ze zijn maar net aan het doel van ontsnap. Faut toujours que ce soit un bleu qui le récupère. De bal is buiten de gevarenzone. Nee, die voorzet is niet goed. Wordt weggewerkt door de tegenstander. Dit is Sneijder. Een schot. Die bal is voor de doelman. Ouais, ça c'est vraiment le but désespéré. Enfin, le but, le tir, parce qu'il n'y a pas de but. Le tir au but, il n'y a pas de but. Eh oui. Hop. 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 Eh mais trop tard, il a fermé la porte. Il a reniflé mon coup. Et là, en haut, j'en étais sûr. Voilà, il a réussi à lui refiler, Benzema, comme d'hab. Plus rapide que tous les autres. J'ai un trou dans ma défense. Oh là là, mais c'est pas vrai! Oh la branlée, il a branlé. Espérons en vrai que ce soit comme ça. Mais bon, moi ça me fait chier. Dans l'instant, ça me fait chier. 4-1. C'est moche. Il fut une époque où j'étais bon, hein, je joue. Enfin, ça c'était avant. Ça c'était avant. Maintenant, on va dire que je me suis ramolli quoi, avec les années. C'est comme ça. On peut rien y faire, les gars. Il n'y a plus qu'à espérer de pas en prendre un cinquième. C'est pas gagné. Prachtig balletje hoor, op zijn medespeler. Goed gezien. Oh là là. Je suis bouffé. Chope là, mais tire là. Oh là là, mais comme il... Putain, c'est un truc de dingue. Hein. Les Pays-Bas, c'est quand même pas des nouilles. Hein. J'arrive pas à le choper la balle, hein. C'est un truc de ouf. Putain, oh. Mais non, mais vous êtes des nuls. Allez, Orange. Allez. Putain, j'arrive plus, ça y est. Putain. Il a fait encore la même. Hop, 30 km. Tiens. Allez, faut que je trouve l'honneur là. M'enfermer. Ouais, super, c'est merveilleux, tout ça pour ça, elle est contre,
Ouais, c'est pas fait sur des comptes pour ça. Il va rester au milieu, parce que de toute façon, il va leur mettre un Gus au milieu, j'en étais sûr. C'est qui celui-là? On va même pas voir qui c'est. Valbuena? Oh putain, la tronche qu'il avait, Valbuena. Menez. Menez, il tombe aux oubliettes. Ah, je sais pas ce qu'il y a eu. Ah, il y a eu un succès. Tant mieux, pile poil, je sais pas ce que c'est. Petite pause, on va regarder. Succès. Qu'est-ce que c'est que ce succès que j'ai eu? Dégagement sur la ligne. Ok, si tu veux. 39-223. Allez. Allez, c'est chiant, mais lâche-moi! Oh! Bien gentil, bon voilà! C'est la 18ème minute. Ah là, j'ai pas de solution. J'ai pas trop de solution en fait. Donc oui, au niveau des captures pour la Xbox One, pour l'instant je suis entubé. Je vais me démerder à trouver une solution. Ça me ferait chier d'acheter l'Avermedia 2. J'aimerais continuer avec mon Avermedia, quoi, voilà. Mais bon, il faut toujours avoir un truc en plus, un câble en l'occurrence, ça va, il manque un câble, puisque vu que la Xbox One était en HDMI, le branchement est de se faire en HDMI, il me faut un HDMI pour l'Avermedia, ce que je n'ai pas. Donc je me suis dégoté un petit câble sur Price Minister, j'espère qu'il va faire l'affaire, on verra bien. On verra si ça fonctionne. Voilà, ça, je vais payer 5 euros, hein, petit câble adaptateur. Je sais pas ce que ça va donner. Hop, 5ème minute. J'espère planter un deuxième but, ça me ferait du bien. Corner. Oui. Et puis voilà. Allez, putain, les gars. Oh putain, j'ai eu un effet d'optique, j'ai cru que c'était mon gars qui allait l'avoir. Comme d'habitude, c'est un bloc qui l'a. C'est merveilleux, c'est sensationnel. J'arrive pas à le rattraper, ça vaut pas la peine, c'est mort. Ribéry, c'est une flèche. Même pas à peine de faire des changements. Vu l'état du match, on va pas s'encombrer. On va essayer de conserver le score. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, j'ai failli me bouffer un cinquième but. Corner, touche. Je vais en bouffer un cinquième. Oh, je le sens, c'est bien parti. Oui. Et safe. Et voilà. Oh là non. C'est fini. C'est fini les gars. Mvila. Bon, vous pouvez déjà enlever un but à l'équipe de France. En réalité, Mvila n'est plus là, heureusement. Donc, logiquement, 3-1 pour la France lors de ce match amical. On appelle ça une fessée. Tant pis. C'est comme ça. On verra ça là. Donc nous sommes lundi 3 mars. Nous verrons ça après-demain, mercredi 5. Honnêtement, entre nous, j'aurais bien une victoire des Pays-Bas 1-0. Je vous le redis, tout simplement. Hein, les Pays-Bas sont une très bonne équipe. Moi, c'est une des meilleures équipes européennes. Hein. Avec l'Allemagne. L'Italie a un degré moindre, les Italiens. L'Espagne, n'en parlons pas. Bien qu'ils sont sur la pente descendante, les Espagnols. Hein. Je pense que les années fastes, c'est terminé. Je ne pense pas que les Espagnols vont remporter cette prochaine Coupe du Monde. On en reparlera, hein, de toute façon. Ne vous inquiétez pas, je serai là. On en reparlera ensemble. Je ferai mes matchs.
Et puis voilà. Donc on va cesser là-dessus. Sur cette défaite, une fois de plus. 4-1. Bon les gars, je vous dis à la prochaine. Donc prochain match, ce sera peut-être un match où on attaquera directement par le let's play de ce petit jeu tranquillou qui changera de mes let's play jusqu'à, que j'ai fait jusqu'à présent, à savoir Max. Et The Curse of Brotherhood sur Xbox One. Bon, hop, je me lève, je suis devant mon PC. On est à 30 minutes, c'est impeccable. Bon les gars, je vous dis à plus, à la prochaine. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. À plus les gars, salut.